Salut, c'est Cascal, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox, plus précisément sur Neo Geo. Et histoire de changer un petit peu des jeux de combat, on va rester sur un jeu arcade, mais qui reste plutôt relaxant. Donc on est sur Neo Turf Master, un jeu de golf, vraiment un super jeu de golf. Encore maintenant, il est vraiment génial. Donc voilà, je mets un crédit, on fait comme d'habitude. À savoir que j'aurais peut-être dû mettre le jeu en mode console, parce qu'en arcade, même si on est en train de gagner, au bout d'un moment, il risque de nous demander de rajouter du crédit. Un petit peu comme dans un Super Sidekick. Bon, on fera avec, voilà, on passe un petit peu là où tout plaît, voilà. Donc je vais prendre un joueur. On choisit notre nationalité en fonction de son skill, hein. On voit que le Brésilien a un bon drive, mais le reste n'est pas très bon. On va prendre, voilà, on va prendre un Américain, parce qu'il a quelque chose de relativement moyen. Alors, où est-ce qu'on va jouer? On va aller en Allemagne. On va aller en Allemagne. C'est joli, l'Allemagne. Il y a des beaux châteaux. Bonne chance. Voilà, donc on nous dit que le drapeau est à 454 yards et que c'est un par 4. Bon, on va essayer de faire en sorte. Hein. Voilà, donc là j'ai un wedge qui me permet de frapper apparemment jusqu'à 260 yards. C'est comme ça que je le sens. Alors le truc, c'est d'essayer de stopper la barre à 100%. Pile, mais pas trop non plus. Hein. Alors on peut choisir d'autres... Là, ben, on va pas changer. Bon, il y a un petit peu de vent, on va viser plus par là, mais j'ai du tout. Ah zut. Oh, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout, mais bon, ça va, au moins je suis pas dans le bunker, ça passe. On est toujours sur le ferro. Alors là, il reste 179 yards, mais le mien tape donc ici à 180. Donc je crois que je peux y aller franchement à fond, il y a quand même un petit peu de vent. Je vais essayer ça. C'est pas mal, mais c'est pas assez précis. Mais je suis quand même... C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis sur le grid. Il y a moyen de le faire en 3. Pour un par 4, c'est pas si mal. Voilà, donc là, rien à expliquer. Hein. On a compris, le trou, c'est la ligne blanche. Faut pas y aller trop non plus. Voilà, là, ça me paraît bien. Attention que c'est pas toujours... S'il y a des bosses ou des creux, faut se méfier de... Faudra en tenir compte, hein. Voilà, donc un birdie, c'est bien. Un birdie, c'est bien. On continue, hein. On continue. Alors, cette fois-ci, 419 yards en par 4. Et on voit que sur le green, il y a des boss, quoi. Il y a des boss. Alors, on va essayer de pas s'envoyer directement dans le bunker. Ce serait bien. C'est quand même pas évident de réussir à le mettre pile sur le 100%. Quand on y arrive, ça clignote, il y a un petit truc spécial, on s'en rend compte. Alors, il nous reste combien? Il nous reste 145 yards et je tape à 150. Par contre, le vent vient avec moi, donc je vais peut-être pas taper à donf. Voilà, comme ça me paraît pas si mal. Par contre, j'ai pas bien tapé au centre de la balle, mais... C'est pas mal du tout, ça. J'ai presque failli la mettre dedans. Alors, je pense pas que la bosse va me déranger. Est-ce que c'était assez fort? Ouais, c'est assez fort. C'est pas mal du tout. Encore un birdie. Ben, je m'en sors pas si mal que ça. Enfin, après, bon, c'est mon avis. Hein, que... Franchement, c'est vraiment un chouette jeu. Hein. Même si vous n'avez jamais vraiment joué à un jeu de golf, ça vaut le coup d'essayer. Il est vraiment chouette. Ah ouais, celui-ci il est particulier, je crois qu'il y a une île et il faut réussir à frapper de l'autre côté. Là c'est déjà plus dur, il faut pas rater son swing au départ là. Alors là, je rappelle, plutôt là. On n'a pas de vent, ça c'est bien. Le trou est à 137 yards et moi avec ça je peux taper à 140. Je crois qu'il vaut mieux bien y aller quand même. Ah, est-ce que je peux annuler? Je suis pas sûr. Non, attends, on va essayer de bien taper. Oh bah, bon. Bon, je suis de l'autre côté. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On the green. Play alone. Birdie try.
Allez, on se concentre. Ouf, ça c'est pas assez, ça, je pense. Si, si, oh. Ça, c'est moche. Bah ouais, à part. Bon, à part, c'est 0 points. Comme on le sait, hein, au golf, le but, c'est d'en faire le moins possible. Si j'aurais pu le faire en un coup de moins, j'aurais eu un score négatif. Donc, ça aurait été plus intéressant. Mais je suis quand même apparemment troisième. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, on continue. 531 yards. C'est un par 5. Hein, donc là, ça va être un petit peu plus long. On a du vent. Il y a pas mal de vent, d'ailleurs. Je vais peut-être me mettre comme ça. Je suis pas sûr de moi du tout. Ah, ça c'est pas bon, ça c'est négatif, on va se prendre une pénalité, je pense. Non, on n'a pas pris de pénalité, par contre on est dans les hautes herbes, et là, c'est difficile. Bon, je ne suis pas si mal rattrapé que ça. Donc j'ai déjà tapé trop, deux coups. Ce serait bien que je la mette maintenant. Il reste 208 yards. Ça va être difficile. Surtout que le vent est contre moi. Bon, c'est pas mal. C'est pas si mal. Bon, là, il reste 60 yards. Avec celui-ci, je tape à 100. Donc, on va clairement pas taper à fond. On va faire quelque chose comme ça. Merde, ça va. Voilà, on voit, c'est marqué en bas à gauche qu'il y a, il y a une petite montée. Donc ça pourrait être sympa de mettre un petit peu... Ah, oh, j'aurais dû mettre un petit peu plus, que ça devrait aller. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est un par. Ouais, c'est pas mal. On peut mieux faire, mais c'est pas mal quand même. Il reste un coup, c'est ça? Ouh, ouais, là je suis descendu au classement. Il y avait moyen de faire mieux. Ça, c'est la, le fait d'avoir été dans les hautes herbes. Alors, il y a du vent, mais je vais quand même taper comme ça. Avec ça, je tape donc à 260 yards. Ouais, on va essayer de faire ça comme il faut. Bof. Non, non! Bah là, je prends une pénalité. Ah, c'est trop ça. Oui, je vais essayer de taper de là. Parce que je suis un ouf. Ah ouais, carrément, non. Ok, ça va être difficile. Alors, combien il me reste? Ouais. Ouh, c'est pas mal. Là, ça va être dur. Voilà. Je faisais... Bon ben oui, je vais réessayer, je vais réessayer. En plus, j'avais réussi à mettre les 100%, quoi. Oh non. Bon, ouais, bon ben, je vais... Non, ça va, t'as gagné. Je vais arrêter là. Je risque de devoir remettre du crédit. Ah, non, ça a l'air d'aller. Bon, allez, il me reste 199 yards. Si je tape à fond, vu qu'il y a un petit peu de vent, ça devrait le faire. Donc j'essaie quand même d'aller dans la barre verte. Ah, 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 c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, je suis déjà au sixième coup, là, sur un par 4. Double bugué, ouais, c'est ça, je me doutais. Bon, là, là, mon classement, il va faire... Voilà, ben c'est game over. Alors, je peux remettre du crédit juste pour voir où on en est au niveau du classement, mais je vais de toute façon m'arrêter là. Comme je l'ai dit, je ne joue qu'un crédit. Et ouais, on a fait une chute, on se retrouve 18e, donc voilà. Au rang des sous-merdes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !